Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Si j'ai envie de monter mes vidéos avec 7 mois de décalage, je fais ce que je veux, non? Bienvenue, bande de sacs à foutre. Aujourd'hui, dans la chaîne d'Ogier, nous allons jouer à Smash Bros. Quel enfer. C'est pas ma meilleure imitation de Wario, mais c'est pas... C'est le stress, c'est la pression. C'est ça, la pression du record. On vous prévient d'ores et déjà, on est ultra fort. Normalement, si on se prend un coup, c'est vraiment qu'on est très mauvais, mais ça devrait pas arriver. Ou alors que les adversaires sont vraiment monstrueux. Oui, c'est possible. Si on tombe sur Gluttony, sur MKLeo, peut-être qu'on prendra un ou deux coups dans le match. Fais gaffe, tu es Bob 2. Oh mince, je suis Bob 2, et non, je suis Mathias. Mathias. C'est Mathias moi. Et Ogier font des vidéos. Les deux bons amis, ta 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 ta. La Golden Team contre Nino 1 et Nino 2. Et surtout contre... les Mario. Oh, mamma mia, la pizza, la mamma. Si on se prend un coup, c'est vraiment qu'on est très mauvais. Attends, y en a, c'est un mec qui joue avec ses pieds. Non, c'est pas ça. Non mais parce que j'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps d'un mec qui jouait deux persos avec ses pieds. Et du coup... Ah ouais, genre un aux mains et un aux pieds. Ouais, c'est ça. Ça serait monstrueux. Sachez que bien sûr on s'est entraîné des heures. So long. Ok, je viens de me suicider pour tuer quelqu'un. C'est peut-être worse. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout, il avait 100%, j'avais 0%, ça dégoûte. Arrêtez. Et alors que j'y ai pour l'instant en étant à 1, il va le faire. Regardez, ah dommage. Et c'est déjà terminé. La bonne DA. Putain, ça commence bien. Ça commence très bien. Ça commence bien cette vidéo là. C'est pas mal. Putain, comme quoi ils on va retomber sur eux H24 et on va se faire poutrer la. Bah là, on a fait faire farce. Une revanche. Hein. Ah ouais? Ouais. Ok. En vrai, c'est peut-être les seuls gens à jouer en duo. Possible. Je connais cette théorie, oui. Ouais. Souvent c'est comme ça. Non, moi, quand il est venu sauver son pote. Quand je joue en ligne, c'est souvent un match, je me fais dérouiller et ensuite je le massacre. Je lis dans son jeu maintenant. Ok. T'as une très bonne adaptation, donc par pitié va en tournoi. Il faudrait qu'on... J'ai redodge dans la blast zone. Je me suis éliminé. Je crois que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je comprends pas ce qui m'arrive. D'habitude ça me fait pas ça. Je peux tout expliquer. Je te promets que c'est la première fois. C'est la première fois. C'est pas de ta faute. Oh, ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Tiens, allez, bouffon. Alors, merci, mais désolé. Bon, let's go. Bien joué. Let's go, l'ami. Et c'est une victoire pour l'équipe bleue. N'hésitez pas à lancer Smash pour revenir en duo. On a besoin d'adversaires à notre taille. C'est pas Nintendo, c'est une petite compagnie, n'hésitez pas à acheter le jeu pour les soutenir, ça fait vraiment plaisir. Si jeu indé qui a été lancé sur Kickstarter il y a 5 ans. Parce que s'ils avaient plus de fonds, en fait, ils pourraient faire des meilleurs jeux avec peut-être du meilleur online. Parce que là, ils ont un serveur chez eux, c'est genre un espèce de disque dur, un Raspberry Pi. L'équipe du feu. Oh la vache! Ah ouais, là, ça va être une autre paire de manches, si je puis me permettre l'expression. Ah, mais du coup, ils viennent se sauver, en plus, ils jouent vraiment en duo. Putain, comme un vrai duo, t'imagines? C'est ça. Pas comme deux mecs qui veulent faire du 1v1 mais en multi. Ça serait vraiment ridicule. Oh, j'ai air dodge. Vas-y, bonne chance, bro. Nice. Ah oui, d'accord, bah écoute. Hein. When ça veut pas. Hein. Mon cher Mathias, nous pouvons constater que les joueurs d'en face sont assez énervés. Tout à fait, mon cher Ogier, alors qu'on réaffronte Goldie 1 et Goldie 2 avec leur Roy, leur fait l'inferno très connu des tournois en ligne. Vraiment, ils sont craints dans toute la commu. Petit marocain. Petit marocain, toi, après. Non, pas sûr. T'entends ça, Waluigi? 4 contre 0. Ouah. Mais on est où? Putain de Roy. Pas de revanche. Vraiment pas de revanche. Vraiment pas de revanche. Oh oui. Ok. Shalom. Ok, ça joue. Oh, let's go. C'est SD, je sais même pas ce qui s'est passé. Nice. Le Little Mac qui a décidé qu'il en avait marre ça, de la vie. Ça, c'est nos adversaires. Ça, c'est vraiment nos adversaires. Voilà. Revanche. Revenez là, vous, bien sûr qu'on fait une revanche. On veut des gens qui ne savent pas jouer à deux. C'est ça. Soyez un peu comme nous, merde. Non, mais ouah, je peux mettre aucun coup. Il me fout en chaîne. Le Mac. Le Mac to Mac. Le Mac qui débarque et du coup bah c'est totalement la panique au Far West. Et non, derrière toi bouffon. Toujours dans le respect des saintes écritures et du fair play bien sûr. Bien, bouffon évidemment. Bouffon, à chier. Oui. Oh mec, t'as été incroyable sur ce move. Merci, tout était prévu bien sûr. Oui.
Oui. Et hop, on le défonce. Hop, je l'envoie en l'air. Bizarre. Je le cherchais. J'ai raté. C'est magnifique. on leur a pété la gueule. Une revanche. Bien sûr, non, bien sûr. C'était pas mal, là. Là, pour le coup, c'était pas mal. Là, on a trouvé nos adversaires. C'est là. Ça, on a trouvé nos adversaires. Les deux pairs sont bien lotières, qui jouent pas trop ensemble. C'est parfait. C'est... Oh non, ils ont pas relancé. What the fuck. Après, on a gagné le... On a gagné le BO3. C'est ça, les enfants. L'important, c'est pas de devenir bon. C'est de trouver des adversaires moins forts que vous. Non, de trouver des adversaires surtout à notre taille. Oh, alors ! Oh non ! Des épéistes ! C'est Kazuya 1 et Kazuya 2 qui jouent Ike et Pyramitra. Bien sûr. C'est super. Show me your moves. Camping-car. Oui, camping-car. Oui, oui, Tu veux leur expliquer pourquoi est-ce que tu dis camping-car ? Moi, je pense qu'il faut que tu leur expliques pour qu'ils se rendent compte de chez qui ils sont abonnés. Je le mettrai. À chaque fois qu'il fera le Falcon Kick dans la vidéo, je mettrai un sous-titre camping-car. Comme ça, tout le monde sera matrixé. Non, non, mais faut l'écouter pas, faut pas faire ça. Et il dit camping-car, c'est pas ma faute. Ogier pense que quand Captain Falcon fait son Falcon Kick, il dit camping-car. Camping-car! Et pas Falcon Kick. Alors, plus camping-car, j'avoue. Bordel que c'est. Let's go, il s'est suicidé en me tuant. Et non, il s'est pas suicidé. Quoi? Il s'est rattrapé? Comment il a fait? Je sais pas, mais il s'est rattrapé. Je l'ai vu au fin fond du fun, à Fistiland. Oh la vache. Non, non, mais putain. C'est nous qui étions à Fistiland. Là, on s'est bien fait Fistilander. Oh, let's go! Bien joué, mec! Tu as bien mis ce qu'Emir était. Oh, let's go! L'honneur est sauf. M'en fous! M'en fous! Ils nous auront pas 3 stocks chacun. J'ai mis un bon petit backer, le Wattie backer des familles. L'honneur est giga sauf. Sinon, on repart sur des 1v1, non? Allez, ça repart sur des 1v1, finalement. Parce qu'en fait, le mode 2v2, il bug, c'est bizarre. L'ambiance est vraiment bizarre, ça dégoûte. On n'est pas les bienvenus, on sent que la communauté Smash Bros, elle est vraiment très très nombriliste. Ça se regarde entre joueurs forts et ça veut pas accueillir les plus débutants, donc ça nous dégoûte un peu, on préfère jouer voilà entre nous, nous aussi. On devient nombriliste. T'entends ça, Waluigi? Waouh, ça dégoûte. Moi, je voulais juste m'amuser. J'ai vu Kurama contre un mec contre le Kazuya de Ti, donc je sais tout le match-up. Non, alors que moi je sais juste jouer à Mario Kart en lançant des bananes. Les bananes. Arrête. Ça va. J'ai dit que je connaissais le match-up. Oh, le 3... 258%. T'entends ça, Waluigi? 258. Wouah. Mais on est où? Quel jeu de merde. Oh, pitié, on lance Mario Kart. Hop, un petit bombe. Mais il est trop fort. Tu veux pas reprendre Kazuya, mais... C'est vache, je préférais quand tu jouais Kazuya. Bizarre. Il paraît bizarre chez les plombiers. En fait, Mathias, t'allais chercher l'écran de thé aujourd'hui. Écoute, c'est une excellente question. Je crois qu'en fait, j'étais... J'étais passé à côté de Koubet. Ouais. Et en gros, il y a mon ami Francis Apagnan qui est venu... qui est arrivé. Celui qui vient de... Oui. Ah, il y en a plus. Faudra en créer d'autres démos, les gens de... Bon après, Drillater, Koubet, Mando Cousto, ce genre de choses. Ah oui, dans Cousto, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est fou quand même qu'on ait, on se soit embêté à inventer des mots juste pour emmerder les gens quand ils te parlent. C'est vraiment... Les êtres humains sont vraiment des gens pas très sympas. On a de la chance qu'il y a des plateformes. Ah bah, je suis un joueur de plateforme. C'est faux. Tu joues à aucun jeu de plateforme en vrai. Non mais je suis un joueur de plateforme parce que dans Smash... Je joue souvent avec les plateformes, parce que Captain Falcon a besoin des plateformes pour extendre les combos, faire des nids plus facilement, tout ça. Ok, Gloutonie. D'accord, MK, Léo. Le mec joue trop au jeu, en fait. Attends, t'as un petit creux, tu veux pas manger un peu de Smash Data, mec? Ça te rassasie si je te dis que le upper de Pete, eh ben, il sort frame 8. Mmh. En miam miam. Mange mon tableau Excel. De la bonne data. Ah oui, évidemment. Crunch. Ouais, bien joué. Belle cover.
Belle Harry cover. Putain, technique ça. Et oui. Oui, oh, le two frame. Le two frame dans ce match, incroyable. Let's go, je suis trop content. Ah, ok. Ah. Dommage. Frame active, frame active. Oh, let's go. Ouais, bah ça, ouais, par contre, là, j'avoue. À force de le faire 80 fois, bon, il y a bien un moment où... Oh. Crunch, crunch. Putain, tu les sors tellement vite. Oui, oh, mais... let's go. Oh, mais, non, mais ce joueur. J'applique Master Wolf. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à ça, enfin... J'ai aucun mur, mais le toit tient tout seul. Ah, bien joué. C'est dur de jouer contre un joueur de cette envergure, de cette trempe. Bien sûr, mon cher Mathias, on est vraiment sur du très haut niveau. Pour faire une ref à Rose, je dirais même de cette super trempe. J'ai la ref, en fait c'est un groupe de musique. Let's go, on va recommencer sur le terrain vert. Le terrain fond vert, on en a pas eu assez, on en revient encore. C'était pas assez illisible. Attends, comme laisse-moi ça. Écouter les abonnés. Ils en redemandent, ils sont unanimes. Mais Goku, non mais dude. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce mais notre, enfin le jeu a des petits, à l'écran T peut-être même. J'osais pas le dire, mais là je commence à y penser. Le jeu a trouvé l'écran T, enfin c'est chaud. Oh non. Alors que Rompiche. J'aime pas les jeux Sonic. J'aime pas Sonic, le personnage m'insupporte. Oh, je m'amuse pas, c'est chaud. Tu t'amuses pas, mais tu gagnes. Imagine. Mais j'en ai rien à la chose que tu as. Oh, je préférerais perdre et m'amuser. Là, j'aurais dû prendre Rondoudou. Je joue Kazuya, mec. Non. Je suis mort, j'avais plus de saut, je le savais pas. C'est du gâteau. Génial. Tu vois l'écran de victoire, oui. Non. Mais du coup, on a pas le son, mais j'espère vraiment qu'il dit du gâteau. Du gâteau, super. C'est du gâteau. J'avoue que les écrans de victoire de Sonic, dans ma vie, j'en ai pas beaucoup vu. Ah, bizarre. Et c'est une victoire. Du gâteau. Du gâteau. Du gâteau. Du gâteau. Du gâteau. Arrête, arrête, pourquoi tu me frappes? Parce que c'est le but du jeu, mec. C'est quoi ce jeu de violence là? Alors qu'on aurait pu être sur Mario Kart, et bah c'est un vachement meilleur moment. C'est vrai que niveau violence, Mario Kart c'est vraiment ce qu'il y a de moins pire. De moins pire? Ouais, ouais, de 1, bon, hein, alors, bon, ça fait réfléchir, mais bon, hein, alors, bon. Oh, Pagnon! Pardon. Non mais. Ça remplace des mots aléatoires. Ah oh oui, la Roline qui est catch dans l'un des coups les plus destructeurs du paysage audiovisuel francophone mondial. Ouais, parce qu'il est temps de le sortir. Et bah tu sais quoi? Je joue aléatoire parce que je ne sais pas qui jouer. Qu'est-ce qui t'arrive, Mathias? Oh non! Mais oui, non mais tu sais que t'avais 45 chances sur 50 que tu dis ça, hein. Non, c'est pas vrai, il y a plein de persos, je me serais dit j'aurais dû jouer Sonic, pas Sonic, Mewtwo, c'est lui que je voulais jouer. C'est un autre Pokémon. Mais c'est pas un Pokémon Sonic. Mais si, c'est un Pokémon. C'est un petit animal coloré qui a un dresseur et qui va super vite. Il a pas de dresseur, Sonic. Si, c'est Robotnik, non? Robotnik avec sa Pokéball là, qui fait le défi des arènes. C'est ça. T'es un mec un peu rouge. Un peu rouge. Arrête. Je crois que j'ai jeté un froid. Non. Non. Oh mais les fins de match sont catastrophiques. Oh, la température de la pièce qui avoisine les 45 degrés. Et pourtant, à l'écran il n'y a que des clims. Allez, c'est ma dernière, je joue Samus. Bah, je vais devoir jouer Captain Falcon. Captain Falcon. Pour la dernière. Donc là, vous allez voir le niveau maximal. Tiens, je vais reprendre le doré pour clore cette vidéo. Vous allez voir le niveau maximal qu'on a tous les deux. Donc le delta sera phénoménal, et si je prends une stock, c'est déjà incroyable. Là. Bah. La DI. Excellente. Excellent DI de la part du joueur français. Oh, bien joué. Bien. Ah. Ah, 169, 169, 169. Il y a le numéro rigolo. Non. Je déteste quand tu fais ça. Je vais donc continuer. Let's go! Eh oui! Eh oui, eh oui! J'avais prévenu! C'est comme ça qu'on joue aux jeux vidéo, les enfants! Ne laissez jamais personne vous dire: oh, dis pas comme ça qu'on joue aux jeux vidéo, alors que c'est comme ça qu'on joue aux jeux vidéo! Eh bah, si ça gagne, effectivement, c'est comme ça! Qui sommes-nous pour juger? Pas comme ça, Mathias! Pas presque tout ce que tu as fait! Mais j'ai rien fait, justement! Voilà! J'ai pris une stock, bravo! Faites des screens chez vous! Camping Care! Non!
Non. Non. Il y a zéro camping-car. Mais si, il y en a partout. Il y a absolument zéro camping-car. Dites-lui, faites-lui comprendre. J'en appelle à la force des abonnés. Faites quelque chose. Faites pression, faites un truc. Oui, bien qu'il va pas bien dans sa vie, il a des problèmes. C'est non-assistance à personne en danger. Oui, bien qu'il faut rétablir la vérité. Il peut pas rester dans le déni toute sa vie. Oh, là, c'est terrible. Ouh, dans les côtes. Bah, ouh, enfin, dans les vertèbres plutôt, non? Je sais pas, je connais pas le corps humain. Le corps humain. Ah, le Bakir, oui, le Bakir, pas du tout Bakir, hein. Oh, c'est ouais. J'ai pris ton aura, l'aura du Bakir. C'est ça, c'est le fameux. Hop là. Eh bien, bravo. Bien joué. C'est sur ce beau match que la vidéo se termine. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre des pouces bleus, c'est à aller voir toutes les autres vidéos. T'es un vrai youtubeur, c'est chaud. Exactement, mais bien sûr. Et surtout, Ogier va créer un PayPal, il va le mettre en description. Arrêtez. Et donnez-lui minimum 1000 euros, sinon vous êtes vraiment des gros rats. Au-dessus de 1000 euros, j'arrête de dire camping-car. C'est ça, voilà. Au-dessus de 1000 euros par personne, par abonné sur sa chaîne. Donc ça fait à peine 500 000 euros, enfin je veux dire. Ça va, ça va. 10 millions pour le The Even, vous pouvez le faire. Alors 500 000 sur la chaîne d'Ogier, c'est possible. Il arrête de dire camping-car, pitié. Pitié, monsieur, pitié.